Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour ce nouveau webinaire de Second Souffle. Second Souffle, nous accompagnons les entrepreneurs en difficulté jusqu'à leur rebond. Que vous soyez indépendant, micro-entreprise, TPE, PME ou en activité ou ayant perdu votre entreprise, nous vous accompagnons gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Et puis notre deuxième mission, c'est d'informer pour prévenir les risques et tout ce qui peut aller avec, mais également aussi pour entreprendre avec nos jeudis du second souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations, nos webinars et nos instants coach. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34 villes en France et aussi en Outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, un petit rappel pour les nouveaux sur cette plateforme de webinars, une plateforme française qui s'appelle Livestorm, hein, donc c'est un nom bien français. Donc vous avez sur la partie droite plusieurs onglets. Vous avez le chat pour discuter entre vous, entre nous. Vous avez l'onglet questions pour poser vos questions. Vous cliquez dessus. Vous cliquez après sur, vous écrivez votre question. Vous appuyez sur le gros bouton bleu tout en bas et votre question est envoyée. Alors merci de bien poser vos questions dans l'onglet questions et non pas dans le chat parce que dans le chat il y aura tellement de messages qu'on va les perdre les questions. Et puis, si vous pouvez également voter pour les questions des autres que vous trouvez pertinentes. Donc, vous avez une petite flèche à gauche de chaque question. Vous cliquez dessus, ça fait un vote. Et attention, vous recliquez dessus, ça annule votre vote. Des soucis techniques, vous avez un lien tout en haut. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amel Chikibi et Stéphane Rose de AXA Prévoyance et Patrimoine. Bonjour Amel, bonjour Stéphane. Bonjour William. Bonjour William, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Bien, donc je suis très heureux de vous accueillir pour que aujourd'hui vous allez nous parler d'un sujet qui peut être important pour tous les gens qui sont en rebond ou qui cherchent à créer son entreprise. Comme chaque semaine, vous le savez, on parle de différents sujets d'entrepreneuriat dans nos webinaires Second Souffle. Et aujourd'hui, on s'est intéressé en se disant, voilà, avec AXA, on peut peut-être monter son entreprise. Et puis en plus, on va être accompagné, on va être aidé. Donc, si le métier de la prévoyance et du patrimoine vous intéresse, eh bien, vous êtes au bon endroit. Et puis donc, pour nous en parler, je vais vous laisser la parole, Amel et Stéphane. Merci William. Alors, qui commence? Alors, je crois que c'est moi dans la slide première. Dans la slide première. D'accord. Alors, Stéphane, d'abord, présente-toi brièvement, peut-être. Voilà, donc bonjour à tous. Donc, je m'appelle, comme l'a dit William, Stéphane Rose, je suis responsable national du recrutement d'un des trois réseaux d'AXA France qui s'appelle le réseau AXA Prévoyance et Patrimoine, dont on va vous parler pendant cette petite heure. Je suis accompagné de Amel, peut-être qu'elle peut peut-être se présenter rapidement. Donc, bonjour à tous, effectivement. Donc, moi, je suis inspecteur manager commercial chez AXA sur le réseau qui est spécialisé en prévoyance et en gestion de patrimoine. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Je recrute et j'accompagne aussi les agents généraux du réseau. Voilà, et Amel est située en Île-de-France. Et Stéphane? Et moi, je suis aussi dans les bureaux à Paris, au siège, près de la Défense, à Nanterre. Bien, quand vous voulez. Eh bien, on démarre. Alors, peut-être faut appuyer sur le. Merci William pour le slide suivant. Voilà. Donc, déjà, juste avant de démarrer, sachez déjà une chose. Nul besoin de venir du monde de l'assurance pour pouvoir rentrer dans cette activité. Ça, il faut que vous le sachiez. On a de fortes ambitions de recrutement. On est un réseau composé de 1 400 agents en France. Et la grande majorité des gens qui nous ont rejoints ne venaient ni de près ni de loin du monde de l'assurance. Déjà, c'est la première chose qu'il faut savoir. Donc, évidemment, AXA, c'est une entreprise française qui s'est développée, qui est partie d'une toute petite mutuelle en Normandie il y a une 45, une petite cinquantaine d'années et qui s'est développée partout dans le monde. On est présent dans 57 pays, c'est 160 000 collaborateurs, on accompagne plus de 100 millions de clients. Et vous voyez en bas les chiffres que vous voyez à l'écran. Ce qu'il faut que vous compreniez au travers de ces chiffres, c'est que vous le voyez à la télévision, à la radio, dans les médias, vous avez des industries qui sont parfois en souffrance, des industries qui sont compliquées, même parfois qui se sont accélérées pendant la crise du Covid et d'autres évidemment qui ont performé. Ici, vous êtes dans une industrie qui marche bien, voire même qui marche très bien. Ça, c'est déjà une première chose qu'il faut que vous ayez en tête.
Deuxième chose, dans le monde de l'assurance, quelles que soient les compagnies d'assurance, vous avez deux grands mondes d'activités, de business possible. Premier monde, c'est peut-être le plus connu, c'est ce qu'on appelle les assurances de biens. Assurer sa voiture, son scooter, sa maison, assurer ses murs. Ça, c'est ce qu'on appelle les assurances de choses, ou dans le langage assurantiel, ça s'appelle les risques IARD. Et vous avez le deuxième grand monde, qui est le monde de l'assurance de personnes, assurer les êtres humains. Voilà, qui est tout ce qui traite de la prévoyance, de la retraite, d'épargne, d'investissement, le placement, la santé, la dépendance, transmission de patrimoine et d'entreprise. Voilà les deux grands mondes. Et évidemment, chez AXA Monde, évidemment chez AXA, ça existe, comme dans toutes les compagnies, et évidemment au sein d'AXA Monde. Première chose qu'il faut avoir en tête. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, parmi les 57 pays, vous en avez un qui se distingue parmi les 57, c'est AXA France. Pourquoi ? Parce que AXA France représente 25% du chiffre d'affaires d'AXA Monde, 75% de notre business est réalisé à l'étranger et évidemment le quart du chiffre d'affaires est réalisé en France. Donc c'est le vaisseau amiral d'AXA Monde. Et évidemment, pour faire ce business en France, il est fait au travers de canaux de distribution. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, et c'est en appuyant William sur la petite slide, sur le petit entrée, normalement ça devrait apparaître sur l'écran, je crois. Voilà. Et ben, quand on regarde en fait le chiffre d'affaires France, c'est 26%. Et les trois quarts de ce chiffre d'affaires en France sont réalisés en assurance de personnes. Et c'est un peu le sujet dont on va vous parler maintenant. Évidemment, il y a différents canaux de distribution et on va surtout vous expliquer les perspectives de marché sur ce segment d'AXA France où la grande majorité du chiffre réalisé par AXA France est en assurance de personnes. Et je vais passer la main à Amel pour qu'elle vous explique quelles sont les perspectives de marché qui sont juste énormissime. Ce sont des territoires de business incroyables à avoir devant nous. C'est une des raisons aussi pour laquelle on fait, et merci William, ce webinaire ensemble, parce qu'on cherche à recruter 300 agents en France pour 2022 et pour 2023 aussi. Amel. Alors, merci Stéphane. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, comme le disait Stéphane, on est sur de belles perspectives de marché et surtout qu'on est sur un marché qui est porteur. On est sur un marché qui est en pleine croissance, malgré effectivement la crise sanitaire qu'on a pu vivre malheureusement ces dernières années. Le premier sujet dont je vais vous parler, c'est effectivement la prévoyance. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la prévoyance, mais ça va être tout ce qui concerne l'arrêt de travail, l'invalidité, le décès, les maladies graves et autres. La prévoyance, c'est la dépendance aussi. C'est vraiment un sujet qui est vaste. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les professions libérales, les chefs d'entreprise, par exemple, cotisent sur des régimes obligatoires et sont très peu, voire pas du tout couvertes en cas d'arrêt de travail, de décès, d'invalidité ou autre. Et concrètement, nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient protéger, compléter leurs besoins, tout simplement via des solutions de prévoyance. Aujourd'hui, il y a 59% des professions libérales qui ont mis en place quelque chose, mais qui sont mal couvertes, où ça ne correspond pas à leurs besoins. Et 40% de ces professions libérales ont mis en place quelque chose et seulement en cas d'incapacité. Concrètement, je regardais un petit peu les données de l'INSEE. L'année dernière, il y a à peu près un peu moins de 800 000 entreprises qui ont été créées en France et plus d'un million sont des professions libérales. Donc clairement, on est sur un marché qui est porteur, il y a des sujets et surtout il y a des besoins. Le deuxième sujet, la deuxième perspective de marché, effectivement, ça va être le sujet de l'épargne et plus précisément, je vais vous parler d'assurance-vie. L'assurance vie, clairement, c'est le deuxième investissement préféré des Français, donc à 62%. Et le premier investissement préféré des Français, et on le sait tous, c'est effectivement cette appétence pour l'immobilier. Et voilà, 65% des Français ont cette appétence pour l'immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'assurance vie, c'est un outil de diversification, mais c'est aussi un outil d'optimisation de la transmission du patrimoine. Le troisième marché sur lequel on est, ça va être la retraite. J'ai envie de vous dire clairement que c'est un sujet d'actualité, la retraite. On en entend beaucoup parler ces dernières années. Et clairement, aujourd'hui, on tend vers une américanisation de la société. Hein. Clairement, on nous invite tout doucement, petit à petit, à capitaliser à titre individuel pour notre retraite. Je pense que vous avez entendu parler du PER
ces derniers temps. Donc, on est clairement sur cette solution-là quand il s'agit de retraite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, à l'époque, on avait 4 actifs pour un retraité. Et dans, on va dire, 9 ans, bon, allez, 10 ans, clairement, on va avoir un actif pour un retraité. Donc, il y a aussi un peu un désengagement de l'État sur ce sujet. Et aujourd'hui, il existe des solutions qui permettent de capitaliser à titre individuel et d'optimiser fiscalement. J'ai envie de vous parler aussi d'un autre sujet très important et qui fait partie aussi de la prévoyance, c'est la dépendance. Alors, ce n'est pas un sujet forcément très glamour, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 2 personnes sur 3 ont vécu ou ont vu, en tout cas dans leur entourage, une personne dépendante. 2 personnes sur 3. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le prix d'un EHPAD aujourd'hui en Ile-de-France, mais concrètement, à minima, c'est 3 500 €. Je parle par mois, hein, bien sûr. Et encore, on n'est pas forcément sur le haut standing de l'EHPAD. Et d'ailleurs, pour avoir échangé avec des candidats que je rencontre souvent, on est plutôt sur 6 000 € pour un EHPAD en Ile-de-France. Donc, clairement, il y a un sujet. La dépendance, ça se prépare. Et il existe effectivement des solutions pour préparer ce sujet. D'ici 2050, ce qu'il faut savoir, c'est que la population âgée de plus de 75 ans va tripler. Et c'est normal, puisque l'espérance de vie augmente. On vit de plus en plus, aujourd'hui. Donc, clairement, on est sur des perspectives de marché. Après, bien sûr, on fait aussi tout ce qui est en lien avec la santé, les complémentaires santé. On fait aussi tout ce qui est en lien avec l'assurance emprunteur, la garantie des accidents de la vie, les obsèques et autres. Donc, il y a pas mal de sujets sur lesquels on est, mais concrètement, on est surtout sur de l'assurance de personnes. Et dis-moi, Amel, une petite question pour certaines. Il y a peut-être des entrepreneurs aujourd'hui avec nous. La première partie, là, la garantie incapacité pour les chefs d'entreprise, je ne sais pas si c'est pas ton domaine, mais ça comprend quoi, en fin de compte, quand on s'assure là-bas, chez vous, quand on est chef d'entreprise, indépendant ou pas? Alors après, ça dépend du statut justement du chef d'entreprise et de l'entrepreneur. Mais concrètement, il y a des sujets hein, où ils ne sont pas forcément couverts, où il y a un délai à partir duquel le régime obligatoire intervient. Ça peut être 3 mois, 90 jours, enfin, ça dépend. Et nous, on vient couvrir ces besoins. Donc concrètement, en tant que chef d'entreprise, si on s'arrête de travailler, c'est que vraiment, on n'a pas un simple rhume, hein, entre guillemets. Et nous, ce qu'on va venir couvrir, c'est un sujet d'invalidité et le décès. Moi, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Excuse-moi, je ne sais pas si je suis le seul, mais je n'ai pas entendu tes. Ça a coupé. Ça a coupé, oui. Ton micro est coupé. Oui. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Ça a coupé à partir de quand? Du début? Le 1 et le 2. Ce qu'on vient couvrir, ça va être le besoin en cas d'arrêt de travail. Donc, si on arrête le travail, comment ça se passe? Je ne sais pas, par exemple, je suis architecte ou médecin, j'ai un cabinet, il faut que je me couvre en arrêt de travail. En cas d'invalidité, en cas de décès, il y a aussi le remboursement des frais professionnels. Parce que si j'ai un cabinet, il y a aussi peut-être des charges courantes qui continuent à courir. Comment ça se passe? Il faut que je puisse les couvrir. Donc, voilà, on vient solutionner, entre guillemets, ces besoins. D'accord. Je vais compléter un instant sur ce que dit évidemment Amel, notamment sur les perspectives de marché, sur ce que disait Amel, sur l'actualité de 2020 et puis ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Il y a eu l'arrivée de la loi Pacte en France, qui est valable évidemment sous le gouvernement Macron, hein, et qui a qui a permis d'assouplir les contrats de capitalisation pour la retraite, pour l'ensemble du marché, hein, tous les acteurs des compagnies d'assurance et des banques. Ça a permis d'assouplir et de rendre plus sexy les solutions. Conséquence de ça, 2020, donc crise Covid, les Français ont été hyper séduits par ce genre de solutions. Conséquence chez nous, on a, pendant l'année du Covid, multiplié par 2 notre chiffre d'affaires retraite et multiplié par 2 notre nombre d'affaires retraite. Et les perspectives de marché, elles sont juste énormissimes. On n'en est qu'au début de cette loi Pacte. Les Français sont vraiment séduits par ces solutions qui ont été assouplies par cette loi Macron et qui les rendent plus sexy. Ça, c'est une conséquence. Donc évidemment,
On est déjà 1400 agents en France, mais on a encore besoin de recruter parce qu'il y a plein de besoins à couvrir, notamment pour la retraite dont a parlé tout à l'heure Amel. Et le deuxième sujet d'actualité que je vais aussi vous dire, c'est notamment sur l'assurance santé. Il y a eu, encore une fois, une loi en France depuis le début de l'année qui s'appelle la loi sur le RIA, la résiliation infra-annuelle, et qui permet à n'importe quelle personne qui a un contrat de santé de le résilier à n'importe quel moment de l'année. Et conséquence que ça a eu depuis le début de l'année pour nous, on a augmenté notre chiffre d'affaires de 70%. On est en progression de 70% par rapport à l'année dernière. Donc, vous voyez, on est sur des marchés où les besoins sont là. Et il faudrait qu'on puisse avoir plus d'agents pour répondre à ces besoins pour l'ensemble des Français. D'accord. Bon, ben, moi, c'est bon, tu m'as convaincu, Stéphane, je vais signer. Eh bien, on en reparlera en fin d'entretien. Bien. Slide suivante. Alors, je ne sais plus qui prend la parole, mais je vais. Ah, ça ne sera pas moi, en tout cas. Bon, en tout cas, c'est. Bon, alors, je vais me lancer. Ça, ce sont des sujets, évidemment. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est concrètement nos agents, quand ils vont rencontrer des prospects. Hein, on a une cible de clientèle très précise. Cette cible de clientèle, elle est destinée à rencontrer des cadres dirigeants, des libéraux, des chefs d'entreprise, des gens en général qui travaillent beaucoup, qui ont des rémunérations qui vont avec et qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs propres affaires. Et ça, on le constate dans toute cette cible de clientèle. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on traite pour le particulier et le professionnel. Comment se protéger en cas de décès ou en cas d'arrêt de travail? Elle en a parlé, Amel, à l'instant, l'invalidité ou faire face à des frais de santé. Je vous donne une information de BFM Business qui a été donnée au premier confinement. Tous les Français, lui, moi, tout le monde, on a tous eu peur. Hein. On a d'ailleurs tous peur de ce Covid. Il y a eu évidemment beaucoup de décès. Et 30%, c'est BFM qui nous l'a dit, 30% des Français pendant cette période-là ont eu tellement peur qu'ils ont fait un testament en ligne en se disant « si ça m'arrive à moi, je voudrais mieux protéger ma famille, mes enfants, etc. etc. » Sauf qu'ils ont fait un testament en ligne, souvent en n'y connaissant rien en patrimoine, acte 1, un peu dommage, et de 2, en n'y connaissant absolument rien sur l'impact de la protection sociale et de leurs propres garanties. Et ça, c'est tout le cœur du travail de l'agent général prévention et patrimoine. Côté gauche de l'écran, vous voyez comment se fabriquer un patrimoine, comment se fabriquer une retraite et anticiper les risques de dépendance. Le côté droit de l'écran, c'est comment anticiper évidemment les études de ses enfants et comment préparer l'acquisition d'un bien immobilier. Et en bas, c'est comment choisir ses placements d'argent au travers de l'assurance vie, qui est un formidable véhicule patrimonial, et anticiper les risques de transmission et des impacts du décès. Et on les voit là, nous, concrètement, les impacts du décès, parce qu'on a évidemment croisé des victimes du Covid, et on a affaire aux familles, et les familles n'avaient pas anticipé tous ces sujets, donc ils se retrouvent en plus à décaisser, c'est la loi, hein, des droits de succession, donc à décaisser de l'argent, et ça n'arrange pas tout le monde. On peut les éviter, en tout cas bien les diminuer, au travers du job de l'agent général prévention et patrimoine. Dans le slide suivant, merci William, dans le slide suivant, voilà, ça c'est la destination de nos chefs d'entreprise. Nos agents généraux rencontrent des chefs d'entreprise. Tous les statuts, hein, toutes les sociétés qui sont possibles, de l'auto-entrepreneur à la SA, en passant par la SAL, SAS, la SARL et autres, etc. Et notre agent peut orienter un prospect chef d'entreprise en lui disant quel est le bon statut choisir, comment notamment optimiser sa rémunération. On a eu énormément de questions sur le statut du gérant majoritaire de SARL, entre optimiser sa rémunération entre ses dividendes et son appointement de gérance, lié notamment à la flat tax et la loi de finances 2021. Comment, quelle couverture pour mes prêts professionnels? Comment se protéger quand je suis associé dans une entreprise avec 2, 3, 4, 5, 10 associés? Et ça, en général, l'agent général le travaille et de près avec un autre confrère, une autre profession libérale, c'est l'avocat d'affaires qui lui traite la partie juridique et nous, on traite la partie financière de ces solutions qui sont purement financières et qui donnent du capital à l'associé qui reste pour acheter les parts de l'autre. Je ne rentre pas dans le détail. L'autre sujet qu'on m'a mis sur la table aussi, c'est quand on a affaire à un chef d'entreprise qui est l'homme clé dans l'entreprise, comment le garantir en cas de décès, d'arrêt de travail ou d'invalidité lié à l'entreprise. Et en bas, vous voyez, c'est le sujet des assurances collectives d'entreprise
pour assurer des collèges de cadres ou de non-cadres allant de 1 à X milliers de salariés en, évidemment, prévoyance, retraite, santé et dépendance. Et nos agences sont aussi capables de mettre en place tout ce qui est épargne salariale dans les entreprises, PE et PERCO. Donc, vous voyez, l'activité de l'agent général est très large, mais répond à des vrais besoins qu'on voit sur le terrain, hein, vraiment. Et il faut avouer une chose, c'est que cette crise de Covid a fait apparaître quelque chose, c'est que le risque assurantiel devient réel. On l'a constaté pendant la crise du Covid, où on se dit bah, peut-être qu'il faut peut-être que je réfléchisse à ces sujets que, dont on a parlé à l'instant, parce que les Français ont eu peur pendant cette crise et ont même pour certains encore peur. Voilà pour cette slide. Alors, à la limite, je pourrais même continuer un instant. Je fais attention au timing parce qu'on a la chance d'avoir un agent général avec nous qui va témoigner de son métier d'agent. Ça fait 10 ans qu'il est agent. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que nos agents travaillent de près, vraiment, main dans la main, avec 3 corps de métier qui sont l'expert comptable, l'avocat d'affaires et le notaire. Pour 2 raisons très simples, c'est que ces gens-là qui sont experts comptables, avocats d'affaires et notaires sont des libéraux. Nos agents sont aussi des libéraux. Donc, quand 2 libéraux se rencontrent, eh ben, ils ont la même affinité, la même envie, c'est de pérenniser leur affaire et dans le temps. Et deuxième particularité, et deuxième synergie aussi, c'est qu'en général, nos agents généraux ont à peu près un niveau d'études à peu près équivalent à l'expert comptable, l'avocat ou le notaire. Donc, ils se comprennent bien, intellectuellement, ils se comprennent bien. Et s'ils n'ont pas eu ce niveau d'études, en tout cas, dans notre partie à nous, on va les former au travers non pas d'une formation, mais d'un véritable retour à l'école qui dure 14 semaines. On ne va pas en parler aujourd'hui, ça ce sera des choses qu'on pourra traiter en one-to-one si vous voulez creuser. Mais évidemment, vous imaginez bien que dans ce métier-là, nul besoin de venir du monde de l'assurance. Donc, on vous forme de A à Z, vous devenez des vrais professionnels et vous devenez des experts en social et en patrimonial auprès d'une cible de clientèle très orientée, cadres dirigeants, libéraux, chefs d'entreprise. Avoir quand même une légère appétence pour les chiffres, non ? On peut avoir pas plus que ça. Il faut être un bon technicien. Il faut évidemment avoir un esprit entrepreneurial. Il faut avoir aussi des compétences commerciales. Il faut être un esprit de chasseur. Il faut vraiment. Souvent, les gens qui nous rejoignent nous disent ben voilà, vous savez, moi, je vais aussi venir chez vous parce que j'ai aussi un environnement, j'ai un réseau. Que nos futurs candidats aient un réseau, c'est bien, mais je vais vous dire honnêtement, pour nous, ça nous est complètement égal. Nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est des candidats qui ont la capacité naturelle à développer du réseau, des gens vraiment qui vont à la rencontre de gens qu'ils ne connaissent pas pour étendre et développer leur environnement. C'est ça vraiment qu'on cherche. Leur réseau, ils iront leur voir s'ils ont envie, ce sont des chefs d'entreprise, ce seront à eux de décider d'aller voir à quel moment ils iront voir leur environnement. Oui, puis ça doit être aussi des personnes qui doivent être à l'aise avec n'importe quelle typologie de prospects. On peut très bien aller proposer les services d'accès à prévoyance auprès d'un artisan qui est tout seul à travailler, comme au chef d'entreprise qui a 500 salariés. Exactement, voilà, et exactement. Et le travail, je vous rejoins totalement, ça va pour toutes ces sortes d'entreprises, des micro-entreprises, des TPE, des PME, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, autant pour le patron de boîte que pour ses salariés. Donc, voilà, pour répondre à la question. Très bien, merci. Moi, je réponds à la question de Maurice. Bonjour Maurice, vous faites, hein, parce qu'on se connaît, Maurice. Pour répondre à la question de Maurice pour tout le monde, oui, vous aurez les slides. En fin de journée, vous recevrez un email pour accéder au replay et à côté du replay, vous aurez un lien pour télécharger les slides. Voilà. Je passe à la slide suivante. Allez, on y va. Donc, voilà. Alors là, c'est pourquoi... Alors là, c'est l'entrée de ta maison, c'est ça ? Alors exactement, voilà, je vais vous faire visiter tout doucement, il y a plusieurs étages, donc c'est assez sympathique, j'ai de la place, bon bref. Non, là il faut attention, on va trop... Alors, il faut revenir en arrière. Encore ? Oui, là, voilà la petite porte. Pourquoi elle a été... On reste sur la porte, d'accord. On reste sur la porte. Pourquoi on a mis la petite porte ? Comprenez bien une chose, quand on parle d'agent général, d'être agent général, la première image que vous avez en tête, c'est un agent qui a une boutique dans la rue. Voilà, c'est l'agent qui a la boutique entre un cinéma et un commerçant. Il y en a dans toutes les rues de France et de Navarre. Et d'ailleurs, on en a plein de marques. Et ce qu'on propose, le job qu'on propose, c'est exactement tout l'inverse. Notre agent général, nous, qui est un agent général qui va être spécialisé en assurance de personnes, son cabinet va être comme ses confrères profession libérale. Il va avoir une plaque à l'entrée avec un bureau en étage qui fait 10-15 mètres carrés. Et c'est un bureau d'études, ce n'est pas un bureau de passage.
Bon, voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Et voilà comment se positionne notre agent dans la rue, dans toutes les rues de France et de Navarre. C'est vraiment un agent qui a une spécialité et qui n'est pas agent général, qui a une boutique. Les agents généraux qui ont des boutiques traitent deux sujets, le sujet de l'assurance de biens et le sujet de l'assurance de personnes. On les appelle des généralistes, des agents généraux généralistes. 80% du job de ces agents généraux qui ont des boutiques, c'est ce qu'on appelle de l'assurance de choses, et 20%, ils font de l'assurance de personnes. Dans le métier d'agent général de prévention patrimoine, nos agents sont dédiés à l'assurance de personnes et ils ne font que ça. Ils ne touchent pas du tout à l'assurance de choses, à l'assurance IARD. Ils sont donc spécialisés en social et patrimonial. Et donc, évidemment, comme ils ne font que ça, ils ont le temps de creuser. On va très, très loin dans l'analyse. On va, excusez-moi, l'expression, on va jusqu'en le fond de la casserole. On va aller voir à l'euro près quelles seront les conséquences en cas d'aléa de la vie humaine, heureux ou malheureux. Donc, on traite, évidemment, le sujet du décès, de l'arrêt de travail, de l'invalidité, de la retraite, de la santé, de la dépendance. Et notre agent va passer son temps à traiter que ça et uniquement que ça, pour le particulier, le professionnel et l'entreprise. C'est ce qui fait aussi qu'on est, honnêtement, pour la 20 ans que je suis dans ce réseau, et on se rend compte sur le terrain, et l'agent général va nous en parler aussi, c'est que nos agents, enfin nos clients, nos prospects qui deviennent clients, nous recommandent assez facilement au travers de la qualité du travail qui va être faite, étant donné que nos agents étant des spécialistes là-dedans. Voilà. Voilà pour le petit point. Excuse-moi, Stéphane, si je peux me permettre. On a aussi clairement le même positionnement, du coup, qu'un expert comptable, qu'un avocat fiscaliste ou qu'un notaire, qui sont nos prescripteurs aujourd'hui et avec qui on travaille beaucoup en complémentarité avec les agents. Exactement. Tout à fait juste. On va passer au slide suivant, je vois l'heure qui tourne, il est 14h30, donc on a un agent, on va s'arrêter dans peu de temps. Donc évidemment, bah, vous l'avez compris, on cherche à recruter des hommes ou des femmes capables de développer des centres de profit, ayant une bonne assise commerciale, et surtout, et je pense que si vous êtes dans cette salle, vous avez ça, vous avez l'esprit entrepreneurial. Et ça nous intéresse fortement. Voilà, ça c'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc, on recrute des futurs entrepreneurs qui vont créer leur affaire sans aucun apport de capital, 0 € à mettre sur la table. On va investir à votre place. On va vous sélectionner et on pense que vous serez la bonne personne pour pouvoir développer ce cabinet. Vous partez évidemment ex nihilo. Vous allez devenir un des experts en protection sociale et patrimoniale et vous serez mandataire exclusif du groupe AXA sur des marchés, et vous l'avez compris, qui sont plus que porteurs. Et je crois qu'on en a terminé sur la présentation. Il nous reste une slide, oui, peut-être. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, on va peut-être passer la parole. Alors là, on va en parler après tout à l'heure, mais ce sera la suite si vous souhaitez aller plus loin. Là, il faut envoyer un petit mail à Amel qui est avec nous. Et faudrait lui envoyer plusieurs choses pour pouvoir aller soit la rencontrer ou me rencontrer ou rencontrer des interlocuteurs qui sont en région, hein, parce qu'on sait très bien que vous êtes de toute la France, avec un petit compte-rendu de cette petite webinaire qu'on en fait pour savoir déjà ce que vous avez déjà au moins assimilé de cette première présentation, et peut-être encore plein de questions, les points qui vous ont séduit. Et si vous avez des questions, on est preneurs. Si vous avez envie de vous lancer, j'imagine que vous avez des tonnes de questions à poser. Et évidemment, l'idée, c'est de pouvoir, en amont, à ce stade, évidemment, de les poser par écrit. Ça permet aux recruteurs qui vont vous recevoir d'optimiser le temps d'entretien et de les ranger par thématique. On va accueillir Jacques. Jacques, qui est un agent général prévoyance et patrimoine. Alors, bonjour. Voilà. Voilà, donc bonjour Jacques, attention bruit, attention, voilà. Merci, voilà, parce que bruit de chaise. Voilà, donc là, on vous a parlé d'un métier, on vous a expliqué les perspectives de marché, évidemment, on cherche beaucoup à recruter, mais on a la chance d'avoir un agent général en chair et en os, est avec nous, voilà, qui est mieux, qui fait ce métier depuis 10 ans, donc 11 ans, excusez-moi Jacques, hein, pour une année en plus, voilà, donc 11 ans d'ancienneté, vous avez démarré donc en 2010, plusieurs questions, je vous donne la parole, c'est un, qu'est-ce que vous faisiez avant de croiser AXA? Je voulais poser 4 questions, je vous laisserai la parole. Qu'est-ce que vous faisiez avant de rentrer chez AXA? Comment vous avez croisé AXA? Et une fois que vous avez croisé AXA, comment s'est passé votre process pour rentrer dans le métier?
Alors moi j'étais dans le prêt-à-porter avant, donc comme vous avez dit, je n'ai pas du tout j'étais attaché commercial pour Alain Manoukian, pour ceux qui connaissent. Oui, donc, qui n'a pas eu un pull Alain Manoukian? J'en fais partie. Donc rien à voir avec le milieu de l'assurance, même si la fonction première d'un vêtement, c'est de protéger la personne, et ça j'aime à le dire, l'assurance de personne, c'est se protéger aussi. D'accord, ok. Voilà, donc par hasard, j'avais un vieux CV qui traînait, franchement, je ne vous cache pas, j'avais un vieux CV qui traînait sur Monster, je ne sais même pas, voilà. Et puis en fait, c'est un inspecteur qui m'a contacté, il me dit, est-ce que ça vous intéresserait de venir à une réunion d'information? Ben, je dis, pourquoi pas, je ne suis pas fermé. Pourquoi pas travailler pour moi? Parce que dans le prêt-à-porter, malheureusement, si on n'est pas de la famille, c'est compliqué d'évoluer. Donc c'était une opportunité pour moi, j'y avais pas d'investissement en effet, à part un ordinateur, une voiture, un peu de papier, une imprimante, voilà, ah, c'est limité. Et donc je suis venu à cette réunion d'information que l'inspecteur Lionel Lécuyer m'a expliqué qui était AXA, qu'est-ce que c'était le métier d'agent prévoyance et patrimoine, que je connaissais mais pas du tout. Je dis, bah écoute, c'est intéressant, je dis pourquoi pas. Donc après, il y a toute une phase de recrutement, on voit une première fois l'entretien avec l'inspecteur, on fait un point sur la possibilité, savoir si c'est possible ou pas de continuer, après on voit quelqu'un encore au-dessus, et après on rentre à l'école, tout simplement. Je suis AXA. D'accord, donc l'école AXA… Le process est assez long, je crois, de recrutement quand même. Ça, c'est quand même assez réfléchi, il faut que tout le monde soit d'accord, c'est un engagement des deux parties. Faut pas y aller si on dit bon tiens il y a de la bonne soupe j'y vais. Non, c'est pas l'idée. C'est vraiment un engagement. Mais l'intérêt de travailler avec AXA de cette façon-là, c'est qu'on est accompagné. Et moi, c'est ça qui m'intéressait parce que j'étais pas lâché en pleine nature. J'avais 30 ans ou 32 ans à l'époque quand j'ai commencé. Donc pour un agent, quand je commençais, il me dit mais vous avez commencé à quel âge? Mais quelqu'un qui a 50 ans qui fait ce métier-là, qui commence à 50 ans, on n'ira jamais lui poser la question. Hein. À moi, oui. D'accord. Donc, et si la question que je vous demandais, donc vous êtes rentré, vous avez fait un processus de recrutement, donc même c'est pas, il y a quelques entretiens quand même. Oui, vous êtes rentré à l'école. C'était rapide. Vous êtes rentré à l'école, 3 mois d'école, donc vous avez vécu le château de Frémigny. C'est le château de Frémigny. Ouais, pour ceux qui nous écoutent, le centre de formation nationale se situe à Paris, en Ile-de-France, dans le sud de Paris, dans un petit village qui s'appelle Bourré-sur-Juine, qui ressemble un peu d'ailleurs au château de la Star Academy. Mais je peux vous assurer qu'on ne fait pas que danser là-dedans, au contraire, on travaille énormément. Alors, justement, Jacques, comment vous avez vécu l'école, vous qui n'y connaissiez rien du tout, ces 3 mois de formation? Alors, personnellement, moi, c'est vrai que j'avais une chance, enfin, l'école, je n'avais pas terminé, c'était pas il y a si longtemps que ça, parce que comme je dis, j'ai commencé à 30, 32 ans chez AXA. J'avais terminé mes études à 24, 25 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus compliqué quand on retourne à l'école, quand on a 50 ans ou 45 ans, ça fait un petit peu. Mais en même temps, ça reste très, très simple la formation. C'est des bases. Ça vous permet de bien comprendre le métier de l'assurance de personne, tout simplement, pour voir un peu la fiscalité, le droit de la famille ou des choses comme ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de des cours, hein, parce que même moi, ça remonte. Et c'est des choses qui vont nous servir pour expliquer aux clients. De toute façon, ce qu'on va apprendre là-bas, c'est que 95% des clients qu'on va rencontrer ne savent même pas ce que c'est. Donc, en fait, on sera, même en sortant de cette école, avec seulement 3 mois de formation, enfin, 3 mois intensifs, attention, hein. Je parle pas de, bon, on fait pas des cours de français, de mathématiques, on est bien d'accord, on va faire de la fiscalité, on va faire du droit de la famille, on va apprendre les assurances vie, je pense que ce sont pas c'est des meilleurs. Mais l'idée, c'est vraiment d'acquérir des bonnes bases pour être prêt devant nos clients, surtout. Et la formation, et même dans, voilà, même si on sait pas. La charge de la compagnie. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, la formation, tout ça, on est nourri, logé, blanchi, enfin, pas blanchi quand même, mais nourri, logé pendant cette période-là. Donc c'est quand même un plus. Après, il faut être prêt à partir, arriver le dimanche soir pour ceux qui habitent loin de Paris et repartir le vendredi après-midi. Il faut être prêt à faire ça aussi pendant 3 mois. Attention. Alors, je rectifie Jacques, ça a évolué. Il a évolué. En fait, on démarre toujours maintenant le lundi après-midi. Donc il n'y a pas d'arrivée, il n'y a plus. Plus d'arriver le dimanche soir. Bah, oui, bah, c'était il y a 10 ans de Jacques. Ah bah. ça ne va pas changer grand-chose, mais c'est l'idée de, c'est de se dire, profitez. Au moins, vous profiterez du dimanche jusqu'à la fin. Quoi. Mais bon, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir être. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en formation, vous allez échanger avec les autres personnes de leur milieu, de leur façon de voir, et on va s'entraîner entre nous, en fait, sur les cours et tout ça, parce que c'est important aussi de faire ça, de travailler ensemble. C'est pas chacun dans son coin, c'est pratiquer, s'entraîner. Après, quand on a des facilités, c'est plus. Enfin, franchement, je suis pas un bon exemple pour ça. J'avais des facilités, donc ça a été. Mais c'est vrai que c'est important. Il y en a qui ont besoin de travailler plus précisément. Mais au final, ça ne sert à rien d'avoir 15, 17, 20 de moyenne. L'idée, c'est de valider le diplôme et de comprendre les choses, tout simplement. Ça suffit.
faut pas se mettre la pression pour dire, faut que je sois le premier, faut que j'ai tant. Eh, ça va. L'idée, c'est de comprendre les bonnes bases. Après, s'il y a des questions, il y a les professeurs qui sont présents, ou même après, on échange entre nous, s'il y en a qui savent mieux que d'autres. Et comme on vient de tout milieu, et c'est ça qui est important, il y en a qui peuvent venir du milieu de la banque, il y en a qui étaient anciennement dans l'assurance aussi. C'est pas forcément ceux qui viennent de la banque et de l'assurance, justement, ils doivent tout désapprendre parce qu'ils avaient la méthode était pas la même. C'était dans la vente push. Aujourd'hui, nous, on est plutôt dans la vente pull. On apprend à qui est le client, qui il est, et après, on apporte un conseil avisé. Pas dire, monsieur, pas comme l'IARD où le mec, il va demander un devis voiture, un devis maison. On s'en fout, c'est pas notre métier. Des devis, si les gens ils veulent des devis, ils vont sur Internet. D'où la problématique de ce que disait tout à l'heure Amel. Par rapport à la prévoyance, les gens sont mal équipés ou c'est n'importe quoi à cause de quoi? Je vais vous le donner dans le milieu, les banques. Parce que les banques, elles disent, monsieur, si vous voulez être prêt pour créer votre boîte, il faut prendre la prévoyance, il faut prendre la santé, il faut prendre le truc film. D'accord? Sauf que les conseils, c'est du package, mais il n'y a pas de sur-mesure. Et souvent, ils sont mal couverts et voire les protections ne sont pas du tout adaptées. Je complète ce que dit Jacques. En fait, nos agents, ils font le process, un process commercial d'un prospect qui devient client, c'est 3 entretiens et 40 jours, en moyenne. Il faut avoir ça en tête. Ça, c'est déjà la première chose. Il y a un premier entretien qui est réalisé une heure et quart par l'agent général, et une dizaine de jours plus tard, ça dépend des cas, hein, mais bon, voilà, je résume. Hein, là, on a toute la France qui est réunie, donc je résume. Et vous avez un deuxième entretien. Nos agents fabriquent des audits très poussés, des audits sociales, fiscales, patrimoniales, successorales, graphiques, comptables, qui sont très poussés et qui vont jusqu'à l'euro près. C'est une véritable expertise. Travailler un dossier, quand on rencontre quelqu'un, c'est un peu de boulot de part de l'agent. Il récolte des données et il va bosser. Je ne sais pas, un jeune agent qui démarre pour travailler un prospect, quand il démarre, c'est 3-4 heures de boulot. En rythme de croisière, on est autour d'une heure, une heure et demie pour un seul dossier. Alors moi, ça... Jack, je vais te couper parce que moi j'ai ma façon de travailler, d'accord? Évidemment, oui, pas de souci. C'est vrai qu'on peut faire ça, mais moi je travaille sur 5 à 10 heures par dossier. Après, ça dépend des situations. Si vous prenez un célibataire, c'est clair, c'est une heure, c'est fait, quoi. Ouais. Maintenant, s'il y a des situations un peu plus complexes, avec du patrimoine immobilier, du patrimoine d'entreprise, des différents statuts, ça commence à être des remariages. Ça prend un peu plus de temps, ne serait-ce que la situation de famille. Moi, je vais même jusque demander les parents, tous ces éléments-là pour recalculer les droits de succession. D'accord. Je les pousse énormément. Par contre, attention, moi, je prends beaucoup plus de temps, ne serait-ce qu'au PE déjà, ou même après, quand je travaille plus. J'explique pourquoi. Parce que mon taux de transformation est à plus de 90%. Jacques, un PE, nos invités. Ah, pardon, excusez-moi. Le premier entretien, pardon. C'est la première fois. Voilà, c'est bien, c'est bien. Excuse-moi, c'est vrai que c'est des formations, voilà, des formations au bout de 11 ans, tu vois. Moi, j'appelle donc, ça un R1. Voilà, il y a un PE. Donc, voilà. Donc, le premier entretien, la première fois qu'on va rencontrer ce client, bon, déjà, moi, même quand je prends le rendez-vous, j'ai déjà pris des éléments, voire même souvent, c'est de la recommandation. C'est un client qui m'a envoyé un autre client, qui m'a envoyé un autre client, etc., etc. Effet boule de neige. Donc, l'idée, c'est de justement prendre quelques éléments au téléphone, déjà pour savoir sur quoi on va cibler le client. Mais ça, c'est avec l'expérience qu'on apprend ça. C'est pas la première fois. La première fois, on rencontre, on explique qui on est, comment on va travailler avec le client et sur le long terme, l'accompagner. Parce qu'en fait, quand on parle de retraite ou de prévoyance, c'est pas du one shot, c'est un accompagnement toute sa vie. Enfin, jusqu'à temps qu'on meure nous aussi, hein, d'ailleurs, enfin, jusqu'à la retraite, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner nos clients. C'est pas de faire du one shot, c'est pas vendre pour vendre, ça sert à rien. L'idée, c'est vraiment d'accompagner notre client et de le garder le plus longtemps possible. Aujourd'hui, en perte de clients, j'en perds peut-être même pas un ou deux par an. Et encore, si je perds, c'est pas le client que je perds, c'est juste un contrat parce qu'il y a eu un changement de statut professionnel. C'est tout. C'est que le contrat n'était plus adapté et c'est tout. Mais le client, je le conserve. J'ai d'autres solutions à titre perso ou professionnel. Alors, je profite là de ce que vous disiez. Maintenant, on va revenir un peu 10 ans en arrière, Jacques. Vous êtes sorti de l'école. Oui. Ceux qui nous écoutent se disent, bon, OK, tout ça, c'est bien joli, mais je démarre. De rien. Bah oui, de rien, de zéro. Je démarre de rien, j'ai été formé. Comment je lance mon cabinet? Comment ça se passe? Déjà, il faut aller à l'URSSAF. Les premiers mois. L'URSSAF. Mais ok, ça c'est administratif. Mais maintenant, oui, mais c'est important. Non, mais évidemment que c'est très important parce que si je ne suis pas inscrit à l'URSSAF, évidemment, voilà. Maintenant, je parle au niveau, voilà, c'est mon premier jour, mon premier mois. Et comment vous avez démarré votre cabinet? Quelles difficultés ou quelles réussites vous avez eues? Comment vous avez lancé votre cabinet? Déjà, je travaillais de chez moi. Donc, déjà, on était accompagné. Attention, on est accompagné avec l'inspecteur. On n'est pas tout seul.
Parce que je disais, il y a l'inspecteur AXA qui est là pour nous aider, nous accompagner. Après, l'idée, c'est de prendre son téléphone, tout simplement. Soit vous avez un réseau déjà de base, enfin, des gens que vous connaissiez, avec qui vous pouvez vous entraîner, pas forcément avec qui vous allez travailler, mais vous entraînez déjà. Et eux, ils vont dire, ah ouais, mais au final, c'est bien, c'est intéressant, mais je peux te recommander d'autres personnes. C'est ce que je veux dire. Soit on travaille ou pas avec. Si on veut pas, pour l'instant, on ne veut pas pousser par rapport à notre réseau, on ne veut pas trop y toucher, mais ils vont se dire, bah, c'est quand même con de ne pas le faire avec toi parce que c'est bien. Donc au final, ils vont le faire. Et ainsi de suite. Et après, c'est fait de prendre. Par contre, le plus important, c'est de prendre des rendez-vous. Si vous ne prenez pas de rendez-vous, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Pas de rendez-vous, pas de contrat. Hein. Ça, je veux pas. Mais par contre, il ne faut pas être dans l'agressivité. C'est vraiment être simple, expliquer les choses. C'est vrai que beaucoup de professions libérales sont harcelées tous les jours, mais le fait de travailler par recommandation ou j'appelle de la part de quelqu'un, ça passe beaucoup mieux. D'accord ? J'en profite, puisqu'on ne va pas tarder à passer aux questions-réponses de la salle. Ah. C'est à l'époque, quand vous étiez dans cette activité de prêt-à-porter, vous aviez une rémunération. Oui. Au bout de combien de temps vous avez retrouvé, voire même dépassé, votre rémunération Alors, vous étiez dans le prêt-à-porter? Alors après, oui, tout est relatif, parce que je n'étais pas à 5 000 euros par mois non plus. Donc, ça dépend de ça aussi. Moi, je tournais à je ne sais plus combien, j'avais une voiture de fonction, j'avais d'autres avantages, je devais être à 2002, 2003, plus la voiture de fonction. Donc, j'avais pas de frais non plus. Tous mes frais étaient pris en charge, déplacement et autres, même l'hôtel, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un... Sans compter les primes, hors primes. Je ne parle pas des primes, parce que ça, c'est aléatoire, le revenu de base. Après, moi, on va dire, au bout de 2 ans, j'avais récupéré mes sous, quoi. Enfin, 2-3 ans, enfin, voilà, le temps de faire. Parce qu'en fait, il y avait les aides d'AXA et tout ça, puis on démarre de chez soi. Après, moi, j'avais un rythme un peu particulier. C'est quand je suis entre 2010 et 2011, j'ai déménagé. Je me suis retrouvé sans un emploi pratique pendant 3 mois. Enfin, ça, c'est un problème personnel. Mais sinon, au bout de, on va dire, 2-3 ans, enfin, comme n'importe quelle activité, il y en a qui partent de zéro avant d'avoir des revenus, ils n'ont rien, et voire même, c'est encore plus long. Or là, on y arrive beaucoup plus facilement. Si vous faites bien votre travail, si vous expliquez bien les choses aux gens que vous rencontrez et autres, ça se fait tout ça. Comme je vous dis, j'ai toujours eu un taux de transformation à plus de 90%. Donc, voilà, il n'y a pas de recette. Par contre, il ne faut pas être dans le vendre pour vendre. Ça, les gens vont le sentir. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Ne vendez pas. Et pas tout faire en même temps. Il faut vraiment faire étape par étape et prendre son temps. Moi, je suis un bon gros diesel. Hein. D'ailleurs, c'est ma façon de travailler. Après, il y en a qui sont peut-être un peu plus dans la vitesse. Mais moi, aujourd'hui, je suis encore là, au bout de 11 ans. Il y en a qui ont commencé la formation avec moi, qui ne sont plus là, malheureusement, parce qu'ils ont voulu aller trop vite. Ils sont brûlés les ailes. Donc, il faut être humble. C'est un métier où il faut vraiment être très humble. Il va falloir passer à l'électrique, Jacques. Je vais en train, moi, à Paris. Hein. Est-ce que le nœud pape a eu une incidence sur votre succès? Ah, j'avais pas mis de pas pro, mais j'aurais pu. Moi, sinon, c'est cravate. Mais après, en dessous, vous n'avez pas vu, je suis en pyjama, on voit pas. Bah, comme moi. Non, non, je rigole. Non, ça, c'est parce que je viens du prêt-à-porter. Donc, c'est jamais. Enfin, voilà. Après, peu importe. Moi, je suis en dessous, je suis en jean. J'ai pas forcément un costume 3 pièces ou autre. Vous adaptez à vos clients. C'est vraiment pas. Moi, c'est parce que j'aime être comme ça, c'est tout. Après, oui, c'est ma signature, quoi. Mais les gens me reconnaissent comme ça, c'est tout. Après, je suis connu dans le secteur, hein, au bout de 11 ans, hein, voilà. Mais c'est, voilà, faut rester simple avec, faut juste se dire qu'on est là pour les aider, les clients. Enfin, après, on leur dit, faut être transparent, on gagne notre vie aussi. Eux aussi gagnent leur vie, mais en même temps, on les protège. Et c'est bien de faire quelque chose, c'est bien de tenir compte de ce qu'ils ont déjà, en fait. Moi, je vais très loin, je vais taper tous les points en retraite, je vais chercher leur convention collective, je vais vraiment très, très loin. À regarder même sur leurs femmes, leurs enfants. Il y en a qui s'intéressent qu'au chef d'entreprise, malheureusement, et pas à leurs femmes, ou inversement, enfin peu importe, mais qui est l'un ou l'autre. Il faut vraiment s'intéresser au foyer, pas qu'au chef d'entreprise. Et ça, vous verrez, qui c'est qui décide dans un couple? Madame. Ben ouais. Évidemment. Donc, évidemment. Si vous ignorez madame, et ça, justement, quand j'ai repris du portefeuille, bon, là, dernièrement, j'ai racheté quelques petits clients, mais mesdames avaient été lésées. En fait, on ne s'était pas occupé d'elles. Moi, au final, moi, c'était du pain béni pour moi. J'adore les femmes. C'est génial. Ok. Et quelles sont les difficultés du métier? Pour ceux qui nous écoutent, ils se disent, ok, ça a l'air d'être pas mal, mais c'est quoi la plus grosse ou une des plus grosses difficultés du métier? L'administratif. Sans être, soyons transparents, si on n'est pas organisé, enfin, moi, je suis pas quelqu'un de, comme je dis, je suis quelqu'un de terrain. Et
là aujourd'hui c'est bien, les outils sont mis en place, mais c'est le temps de s'y faire. Alors les plus jeunes c'est plus facile, les gens qui ont l'habitude de travailler avec l'informatique ou des choses comme ça, ça va être tout seul pour eux. Après il n'y a rien de compliqué en soi, hein. c'est des choses simples, c'est des bases de données Mercure avec un téléphone, enfin, c'est pas saisi, hein, c'est tout. Après c'est parce qu'il y a des règles, des réglementations qui sont de plus en plus lourdes, c'est surtout ça, mais ça c'est normal, c'est pour mieux protéger nos clients. Donc quelque part, moi, plus ça se complexifie de ce côté-là, c'est mieux par rapport à nos concurrents qui sont des margoules. Voilà. Moi ça me va. Il n'y a plus le truc, on se dit au bord de la table et c'est fini ça. C'est fini, ça vous là depuis même avant que j'arrive. Est-ce que vous faut êtes vraiment voir les choses, vous dire qu'en fait, moi je m'en sers comme un outil pour rassurer les clients, justement, parce qu'il y a des obligations réglementaires. Donc en fait, quelque part. Et c'est très bien qu'on peut pas faire n'importe quoi comme on pouvait faire avant. Enfin, pas avant, je parle des anciens, il y a 20 ou 30 ans en arrière, où c'était juste une feuille, quoi. Aujourd'hui, il y a vraiment un devoir de conseil qui est très, très important. Et je trouve que ça, c'est bien et ça permet de créer un climat de confiance avec les gens avec qui on travaille. Et je dis même pas forcément des clients, moi, parce que moi, maintenant, c'est plus des collègues, enfin, des gens, c'est plus des partenaires, ou je sais pas comment dire, mais c'est de l'accompagnement, quoi. Est-ce que vous êtes un partenaire? Oui. Oh, monsieur. Oui, toujours. Excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Est-ce que vous êtes un patron heureux? Est-ce que je suis un patron heureux? Oui. Il y a même une cliente qui m'avait en commentaire, il est joyeux sur Google. Dans le chat, on se demande si Jacques n'est pas dopé. Ah non, c'est moche. Hein. Non, tiens. Mais comme je vous dis, je suis un peu atypique comme agent. C'est vrai, déjà, j'exerce en province, pas dans une grande ville. Je suis dans l'Oise. Je sais pas pour ceux qui connaissent et qui écoutent. Je suis dans le sud des Hauts-de-France. Enfin, moi, je préfère dire la Picardie. Désolé, hein, je tiens. Et c'est peut-être pas la même clientèle. Moi, je travaille plus avec des artisans, par exemple, qu'avec des docteurs et tout ça. Parce que chez nous, il y en a plus. Ou au pire, ils ont plus de 70 ans. Donc, trouver des docteurs, ça dépend des secteurs, en fait. C'est comme tout. Moi, j'aime bien travailler avec les artisans. C'est des gens simples. C'est facile avec eux. Je travaille avec des ostéopathes, des sages-femmes. Enfin, peu importe. J'ai pas de clients cibles. Mon portefeuille est assez équilibré. Je travaille même avec des salariés cadres, avec des salariés non cadres, avec peu importe, en fait. Tout le monde a besoin de nous, en fait. J'ai des clients, le plus jeune client que j'ai eu devait avoir un mois. Et ma plus vieille, elle a 94 ans aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment, il y en a qui travaillent vraiment sur un marché bien précis, mais moi, je dis pourquoi pas protéger tout le monde, puisque personne s'en occupe, ces gens-là. Les banques, en fait, si vous ne gagnez pas plus d'un certain montant, ils s'occupent pas de vous. Ils s'en foutent. Franchement, et si vous appellent seulement quand il y a un héritage et qu'ils voient les sous tomber sur le compte, c'est tout. Voilà. Okay. Des questions? Merci, Jacques. Ben, je ne sais pas, peut-être de la salle. Alors, les questions vont certainement arriver. Moi, j'en avais également lors de la. Quand on est à l'école, dans les 3 mois d'école, là, est-ce qu'il y a également des cours sur le commerce? Comment avoir une posture, sa posture vis-à-vis des clients? Est-ce que ça aussi, c'est enseigné? Je pense, par exemple, à quelqu'un qui serait intéressé par le métier, mais qui se dit putain, le commerce, ce n'est pas mon fort. Est-ce que. Alors, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. L'école AXA n'est pas une école où on vous apprend l'entrepreneuriat, où on vous apprend la posture d'entrepreneur. On en parle un petit peu, mais la grande majorité des 14 semaines, elles sont liées au job du métier d'agent général pour ses patrimoines. Par contre, l'actualité, c'est qu'on sait très bien que pour ceux qui n'ont jamais été dans l'entrepreneuriat ou pour ceux qui ne sont pas à l'aise, il y a une formation qui existe. Et là, on est en train de travailler avec eux, c'est avec les chambres de commerce et d'industrie, au travers d'une formation qui existe qui s'appelle 5 jours pour entreprendre et qui vous apprend le code de la route de l'entrepreneur. C'est valable dans toutes les chambres de commerce et de France et de Navarre et d'industrie. Ça dure 5 jours et on est en train de travailler avec eux pour pouvoir, pour les agents qui sont entre guillemets recrutés chez nous mais pas encore à l'école, leur proposer de les orienter vers cette formation qu'on est en train de dédier, qu'on est en train de fabriquer pour des futurs agents, pour leur apprendre le code de la route de l'entrepreneur, entre guillemets, prévoyant ses patrimoines. D'accord. Mais Oui, Jacques. Tu peux parler? Oui, évidemment. Si vous n'avez pas quand même un côté assez humain et commercial, si vous n'êtes pas à l'écoute des gens, ce métier-là, ça va être, je pense, être méchant. C'est quand même compliqué. Si vous êtes un pur technicien, ça ne sert à rien. C'est vraiment, il faut s'intéresser à la personne que vous avez en face de vous. Il faut être dans l'humain, même quand j'étais en prêt-à-porter avant, peu importe. J'étais à l'écoute de mes clients, tout simplement. Si c'était un besoin, il faut répondre à un besoin, tout simplement, avec des solutions adaptées sur mesure.
La notion de sur-mesure est vraiment très importante puisque c'est là où on se différencie par rapport à la concurrence. Ce n'est pas du package. Et d'une, justement, en faisant du sur-mesure, les clients font même des économies. Donc, ce n'est pas négligeable. Maintenant, je ne peux pas dire, oui, si vraiment, voilà, apprendre à être, comment dire, j'aime pas le terme commercial, c'est pas, j'aime pas ce terme-là, mais être à l'écoute, c'est important. Après, c'est être humain, tout simplement. Il n'y a pas de pied. C'est un métier où il faut vraiment qu'on rentre dans la vie intime des gens, parce qu'on leur pose plein de questions sur leur situation de famille, s'ils ont des enfants handicapés, si madame est... Enfin, on parle d'handicap, des choses comme ça aussi, c'est important. On touche quand même à la corde sensible, on rentre vraiment dans l'intimité des gens. Donc, si vous êtes vraiment fonceur, bon, ça peut... Mais, de toute façon, vous verrez bien que ce qu'on va passer, les gens, ils vont culer sur leur chaise. Tout simplement. Donc, après, j'ai pas eu de formation commerciale. Moi, j'ai jamais eu de formation commerciale. Ça ne veut rien dire, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Après, vous pouvez apprendre les bases, oui, mais en fait, à l'école, accès en effet, à l'époque, je ne sais pas si la formation est toujours la même, il y avait une petite formation de 2-3 jours, je crois, sur la, pas la technique de vente, mais la posture, les règles à respecter, la présentation, l'entrée en matière, enfin, des choses comme ça, les petites bases. Mais en fait, ça reste inné, quoi. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Maintenant, attention, je n'ai pas dit que quelqu'un qui n'a pas du tout la fibre commerciale n'y arrivera pas. Attention, parce que si c'est quelqu'un d'organisé, quoi que ce soit, et qui a l'écoute des gens et qui arrive, ça ne s'en prend pas, en fait. Ça ne s'apprend pas. Il n'y a aucune école qui vous apprendra à être un bon commercial. Enfin, moi, de mon point de vue. Deuxième question. Là, donc on suit les cours pendant 3 mois, entièrement pris en charge donc, par AXA. Et après, donc on est lâché, mais on doit créer, monter sa boîte et tout. Et forcément, les clients n'arrivent pas au bout d'une journée. Donc, on n'a pas de retombée d'argent pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Comment ça se passe, cette partie-là? Voilà, cette partie-là, en fait, il y a toujours l'accompagnement AXA, c'est-à-dire qu'il y a toujours des aides financières qui continuent, déjà. C'est-à-dire que des fois, je ne sais pas si ça change ou quoi, je crois qu'il y a 1 600 € par mois, enfin, quelque chose comme ça. Et, non, c'est ça. Je ne sais pas si ça a changé, donc je ne veux pas m'oublier. Mais autre élément, oui, après, les contrats, ils arrivent au fil de l'autre, on le sait très bien. Mais souvent, les gens, quand ils font ça, souvent, c'est une deuxième carrière. Ou soit ils étaient au chômage avant, donc ils ont encore leur chômage. Enfin, je ne sais pas. Enfin, ils ont toujours un peu de réserve, quand même, les gens. Les Français sont des très gros épargnants. Donc, ça permet de vivre. Maintenant, si vous dites, j'ai besoin de 5 000 € par mois tout de suite, alors oui, vous pouvez, mais alors, faut foncer, quoi. Faut prendre, je sais pas combien de rendez-vous par jour. Mais l'idée, c'est pas prendre trop de rendez-vous non plus, parce que faut traiter les dossiers derrière. Et au départ, on apprend à les traiter les dossiers. Donc, ça prend un petit peu plus de temps quand on démarre l'activité. Mais au bout de quelques mois, ça se fait tout seul, en fait. On va de plus en plus vite dans le traitement des dossiers. Plus vous en faites, de toute façon. Et plus vous apprenez, plus ça va vite après. Et je continue dans ce que dit Jacques, parce que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné d'un inspecteur. Voilà. Ce qui fait que l'inspecteur, en fait, on vous met à disposition un coach. C'est un coach qui sait tout faire. Il connaît le commercial, il connaît le terrain, il connaît les solutions, il connaît l'administratif, il connaît tous les trucs et les astuces. Donc, c'est la carte maîtresse de la réussite. Et le coach est là pour aider l'agent à lancer son business pendant les premiers mois, pour que l'agent puisse après se voler ses ailes. Ça bouge, il y a pas mal de bruit. Ouais, il y a du bruit. Amel, coupe le micro, s'il te plaît. Voilà, donc ça va lui, ça. L'inspecteur l'aide évidemment à démarrer et pour voler de ses propres ailes. Il n'y a pas de lien de subordination entre un inspecteur et un agent. C'est un lien de partenariat win-win. Donc évidemment, l'inspecteur est très important et va au démarrage avec, si l'agent le souhaite, hein, mais l'agent peut avoir l'aide d'un inspecteur 2, 3, 4 demi-journées par semaine pour aller en entretien et il va lui montrer comment ça marche, les astuces, les trucs. À sortie de l'école, il sait le faire, mais certains, voilà, le temps d'amorcer le sujet, l'accompagnement de l'inspecteur est fait pour de telle manière à ce qu'on envoie les agents vers la réussite. Et ce qu'il faut savoir aussi, juste, je termine du coup, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'inspecteur, donc en l'occurrence moi, a été sur le terrain auparavant. Donc, il connaît le métier, il a exercé le métier. En six mois, on a créé et développé un portefeuille client, on a pris nos téléphones. Donc voilà, on connaît aussi le métier et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut accompagner aussi des agents à leur développement. Yamine ou Yama, je ne sais pas, excusez-moi si j'écorche votre prénom. Il dit travailler avec ça, c'est être agent ou être courtier? Là, je veux bien répondre. Non, je sais pas si... en fait, attention, le statut de courtier n'a rien à voir, c'est un statut de commerçant. Le statut d'agent, c'est vraiment une profession libérale réglementée. Un plus, c'est-à-dire que nous, on commence, on s'engage. On engage AXA, hein, attention. Donc, c'est quand même un plus par rapport à ça. Je voulais revenir sur un petit truc que j'ai dit sur le côté à droite. Je n'ai pas cassé d'issue. Certains conseillers, en effet, en assurance comme en banque, qui sont mauvais et d'autres qui sont bons.
Je ne mets pas en doute, parce que justement, ceux qui sont bons, j'aimerais bien les recruter chez AXA. Alors, peut-être pour compléter, c'est tout à fait juste ce qu'a dit Jacques. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que l'agent général représente la compagnie pour laquelle il travaille, a un statut de libéral et d'indépendant. Voilà, et il est mandataire exclusif. Le courtier, c'est exactement tout l'inverse. Donc, c'est deux statuts qui sont complètement opposés. Le courtier, lui, est indépendant, ne représente pas la marque pour laquelle il travaille, travaille plus en marque, et a un statut complètement différent, il va être commerçant. Donc, quand un client signe avec un agent général, si vous avez un litige avec un agent général, quelle que soit la marque, vous pouvez envoyer un courrier à la compagnie va vous répondre pour traiter le litige. Si vous signez avec un courtier qui a plusieurs compagnies d'assurance, par exemple AXA, et que vous avez un litige avec AXA, et que vous envoyez un courrier à AXA, on ne vous répondra jamais. Parce que nous, on ne connaît pas ce courtier. On ne l'a pas recruté, on ne l'a pas formé. Il a juste tapé à notre porte pour avoir un code de distributeur. Point barre. Donc, c'est deux mondes complètement différents, donc ça n'a rien à voir. Là, Jacques est profession libérale, mandataire exclusif du groupe AXA. Et je peux vous dire que la gamme de solutions, elle est bien étendue. Il y a tout ce qu'il faut en magasin pour traiter l'assurance de personnes en prévoyance et en patrimoine. Bien. Une question de Élise. Quelles sont les perspectives d'évolution sur le moyen long terme ? Alors, c'est quoi finalement le chiffre actuel ? Comment ? Pourquoi pas ? Je suis parti de zéro, on est bien d'accord. Là, aujourd'hui, mon année n'est pas terminée, je suis à 160 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, en plus, c'est que de la marge brute. Hein. Après, je fais beaucoup de restaurants, moi. Beaucoup de variables. Bah avec les clients, quoi. Bah, sinon, ça fait beaucoup d'impôts. Hein. Non, c'est pas ça ce que je veux dire, c'est que par rapport à ça, c'est que ça évolue forcément. Parce que après, quand vous avez des contrats qui sont mis en place, il y a un système de récurrent, en fait. Puisque les clients cotisent. Donc à chaque fois, vous avez un nouveau contrat, ça se cumule. Et même quand on est courtier ou autre, il y a toujours un système de. Voilà, ça tombe tous les mois. Si vos clients restent et sont fidèles, ça continue à tomber, quoi, c'est tout. Après, il y a un suivi. Par contre, il faut refaire un point régulier avec ses clients parce que sinon, ils peuvent s'en aller ailleurs ou ils vous oublient. Et puis après, dire je suis atteint, au final, je n'ai pas pensé à vous. Bon, ça arrive. C'est de notre faute aussi. D'où le fait de. Moi, ma façon de travailler, c'est que j'organise régulièrement des soirées clients. Deux par an minimum. Cette année, je n'ai pas le temps. Je vais essayer. Juste avant Noël, faire une soirée de Noël avec tous mes clients. Et après, je les invite, ça permet de garder le contact, par exemple. C'est bien aussi, même s'ils ne viennent pas, mais au moins, on dit, attendez, je suis là, je fais une soirée sur un thème précis, l'assurance vie, la retraite, un sujet qu'ils veulent évoquer, à la rigueur. Ils font comme ils veulent. Et ça, c'est intéressant, ça permet vraiment de garder un lien avec le client. C'est le plus important. D'où, c'est quand même une partie, moi, c'est ma façon de travailler, je dépense pas mal en communication, enfin, communication, que j'appelle communication, la partie restaurant ou soirée client. C'est important. Merci Jacques. On va terminer par une interrogation qui n'est pas vraiment une question, mais Xavier nous disait c'est une activité donc qui est réglementée, il faut s'inscrire à l'ORIAS, une assurance RC professionnelle. Alors tout ça, c'est AXA vous aide moi à la création pour tout ça. C'est beau. Alors moi je ne sais pas pour les nouveaux agents, j'en sais rien. Moi je me suis débrouillé tout seul pour aller à l'URSSAF et créer mon numéro de Siret, il n'y a rien de compliqué, franchement. Pour la RCP, vous allez voir votre assureur. Je crois qu'il y a même la GA, enfin la GA, puis il y a le syndicat, enfin je ne sais pas, il y a possibilité. Mais je crois qu'on a des informations quand. Moi, je ne sais pas, ça fait longtemps, je ne vous cache pas que je ne m'en rappelle plus trop. Oui, il y a ce qu'on appelle. Mais ça coûte rien, en fait. En investissement, ça coûte moins cher qu'une assurance voiture. Je crois que c'est 240 à l'année. On démarre. Et l'ORIAS, je crois que l'ORIAS est payé par AXA, c'est 40 euros. Et les démarches administratives qui sont faites évidemment, on a évidemment un dossier d'inscription de l'agent, on envoie tous ces éléments, AXA envoie tous ces éléments à M. ORIAS, qui va les enregistrer et qui va vous donner votre numéro d'ORIAS. Pour tout ce qui est administratif, évidemment, on vous aide, mais il y a des choses aussi que vous devez faire vous-même. Je vous rappelle que vous créez une entreprise, donc on ne va pas la créer à votre place quand même. Hein. Donc, vous avez quand même des choses à faire un peu de votre côté, mais on vous guide, on vous aide. Évidemment, on vous dit d'aller là, après c'est à vous d'y aller, mais on vous explique tout ce qu'il faut faire. Voilà, là vous êtes accompagné. Encore une fois, tout ça, c'est le coach. Il y a le coach qui vous explique tout ça, votre coach, votre recruteur qui vous a recruté, qui vous a expliqué plein de choses au recrutement, va vous accompagner
tout au long de votre vie d'agent général sur tous les sujets. Le coach est aussi le croix de transmission entre la compagnie et le cabinet. Donc, voilà, si vous avez un pépin administratif, etc., pour vous libérer du temps commercial, le coach, l'inspecteur, va essayer de vous décoincer l'affaire pour vous libérer du temps commercial. Donc, voilà. Mais évidemment, l'accompagnement, on ne vous lâche pas du tout dans la nature. C'est un partenariat. Donc, comme c'est un partenariat, on vous apporte plein de choses. Vous, ce qu'on vous demande, évidemment, c'est de rentrer. On cherche à recruter, mais c'est qu'on veut que vous restiez chez nous, agent, pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est un projet de vie. Honnêtement, c'est un vrai projet de vie. Tous les agents qui sont chez nous, on posera la question à Jacques, mais quand on leur pose la question, qu'est-ce qu'ils regrettent dans ce métier, ça revient régulièrement sur la table, c'est n'avoir pas démarré ce job plus tôt. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de Jacques, mais en tout cas, la grande majorité des agents qu'on recrute, à qui on parle, c'est ce qu'ils nous disent. N'a pas démarré plus tôt. Ah ouais, moi, j'ai commencé à 32 ans. Hein. Bon, après, ouais, ça, je comprends. Voilà, mais... C'est vrai que bon. Mais non, après, oui, en effet, il y en a qui, en effet, se disent pourquoi pas avoir fait ça plus tôt. Moi, je suis content. Aujourd'hui, je travaille à mon petit rythme tranquille. Et il y en a qui gagnent 3 à 4 fois ce que je gagne au bout de 10 ans. Hein. C'est parce que moi, j'ai un rythme. Je n'ai pas besoin de gagner des 100 et des 1000 pour bien vivre. Je vis très bien comme ça. C'est un choix de vie après. Je peux profiter un peu plus de mes amis ou d'aller au golf. On fait comme on veut son planning. On fait comme on veut, on part en vacances quand on veut. On fait ce qu'on veut en fait. On est indépendant, on est chef d'entreprise. Après, je ne dis pas les premières années, oui, on travaille plus, c'est normal. Au bout d'un certain temps, ça change un petit peu, ce qui est logique. On commence à avoir une assise. Déjà, même aujourd'hui, c'est plutôt les clients qui nous appellent maintenant parce qu'on est connu. Au début, oui, on ne nous connaît pas. C'est une fois qu'on a fait son réseau et qu'on est connu dans le secteur, ça va très, très vite. Et c'est une histoire. C'est pour ça qu'il y a vraiment une histoire de confiance. C'est super important de travailler dans un climat de confiance avec nos clients. Ça ne sert à rien de signer avec quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. Je ne préfère même pas signer, d'ailleurs. Moi, je ne préfère pas signer avec ces gens-là. Je dis, écoutez, ça ne va pas être possible. On ne s'entend pas bien. Moi, c'est peut-être bête, mais je préfère faire ça plutôt que de tirer une balle dans le pied. Et en plus, quelqu'un qui n'est pas content derrière, ça peut vous jouer des mauvais tours. Donc, autant pas travailler avec ces personnes-là. Bien, merci beaucoup, Amel, Stéphane et Jacques. On arrive à la fin. Donc, à moi de reprendre la parole. J'ai passé un webinaire, je crois que c'est la première fois où je me suis pas occupé de grand-chose. Donc, Stéphane a fait l'interview de Jacques, Amel a parlé. Bon, écoutez, très bien. Bon. Désolé d'avoir. Je savais pas que. Enfin, voilà quoi. Non, mais c'est très bien. Mais si j'avais su, j'aurais été au golf, tiens, avec Jacques. Par contre, les prochaines semaines, je vais avoir du boulot. Donc, je vous annonce ce qu'il y a la semaine prochaine. On va aller se prendre un café la semaine prochaine. Mais non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez Positive Planet, l'organisme qui a été créé par Jacques Attali? Figurez-vous qu'ils font également de l'accompagnement pour aider à créer votre entreprise. Moi, je ne le savais pas personnellement. Donc, je vous invite la semaine prochaine avec Nesliane et Arthur à vous faire découvrir cette activité de chez Positive Planet. Et vous allez voir qu'ils ont, comme tous les autres, chaque réseau d'accompagnement à entreprendre a des spécificités. Ils ont les leurs. On verra ça la semaine prochaine. La semaine suivante, ce sera le 11 novembre. Donc, je vais vous laisser un petit peu tranquille. On va tous partir en grand week-end. Et la semaine d'après, ça va vous plaire, j'en suis sûr, jeune créateur ou futur créateur d'entreprise, sur quels réseaux sociaux communiquer pour trouver vos clients. Et je serai avec la formidable Caroline, qui est consultante en communication et community manager. Elle vous expliquera, vous êtes votre entreprise, votre activité, c'est ça. Ça serait peut-être plus pertinent d'utiliser tel ou tel réseau social. Et ensuite, la semaine suivante, qu'est-ce qu'on aura la semaine suivante? Ça sera pas webinaire, ça sera le salon virtuel 24 heures pour rebondir avec la franchise. Ça sera donc fin novembre, le 26, de 10h du matin à 18h. Il y aura plein de franchiseurs, on vous expliquera des conférences. Les franchiseurs auront également des stands virtuels. Vous pourrez prendre contact avec eux et discuter en one-to-one directement avec eux si vous avez des questions. Donc, c'est fin novembre. Voilà, vous avez tout le programme du mois de novembre.
Je ne pouvais pas faire mieux, je crois, aujourd'hui. Donc, j'ai utilisé tout mon temps de parole que je pouvais avoir aujourd'hui, c'est parfait. Merci à vous tous. Donc, je vous envoie tout ça par mail d'ici la semaine prochaine. Et comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers la page de Second Souffle, du site Second Souffle, et vous verrez les deux images pour pouvoir, même les trois images, pour pouvoir vous inscrire au webinaire la semaine prochaine avec Positive Planet, celui dans 15 jours avec 15 jours plus tard avec Caroline sur les réseaux sociaux, et pour vous inscrire aux 24 heures pour la franchise de fin novembre. Voilà, merci Amel, merci Stéphane, merci Jacques, merci à vous tous également. Je vous souhaite un bon week-end à tous, le moins pluvieux possible. À la semaine prochaine, bye bye. Au revoir.